Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un petit crash test nouveauté. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. Donc, j'ai fait une petite commande sur Boozy Shop parce qu'il y a 2-3 choses que je voulais absolument tester. Et du coup, pour avoir les 50 balles, vous voyez, pour les frais de port gratuits, parce que j'ai horreur de payer les frais de port, j'ai commandé des petites choses. Donc on va déjà passer à la présentation. Je comblerai pour faire un full face avec des produits que j'ai déjà. Mais voilà. Alors je les prends comme ça vient pour vous montrer. On va tester le spray fixateur NYX Marshmallow. Moi qui adore la base, j'espère que j'aimerai autant le fixateur. Ou pas, parce que c'est un petit format pour le prix. Hein, quand même. 60 ml pour 11 balles. Ça fait un peu gyro. Alors, j'ai pris mes suivants, on va pas le tester puisque je vais tester l'autre. C'est le Lift and Tint de chez W7. Donc, c'est un mascara pour les sourcils. Vous connaissez mon addiction aux sourcils, mais celui-là, on va pas le tester maintenant. Ça, je vous montre en dernier. J'ai eu en cadeau, enfin, j'ai pris en cadeau une paire de fossiles que je vous mettrai dans le prochain lot du concours puisque moi, je veux pas les utiliser. J'en ai une tonne que j'utilise déjà pas. J'ai pris le What the Fake Extreme, donc c'est un plumping, un lip filer, c'est au Black Pepper Oil. Et voilà, donc je testerai ça. Normalement, le plumper, je le mets avant de me maquiller pour plumper mes lèvres. Et ensuite, je l'enlève pour mettre un rouge à lèvres. Là, je vais laisser juste ça. Ouais, il n'est pas noir, hein. Enfin, il est noir, mais sur les lèvres, il ne fait pas noir. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pris celui de chez Essence, le Sick and Woo Fixing Bro Mascara avec des fibres aussi à l'intérieur. Donc on va tester celui-là. Le produit que j'avais le plus envie de tester avec le mascara que je vais vous présenter après et le fixateur, c'est le Skin Silk de chez Revolution. Donc c'est un fond de teint qui se dit, c'est un sérum teinté plutôt. Donc ça se veut couvrance moyenne, enfin légère à moyenne, mais c'est un peu modulable, donc voilà, légère, modulable à moyenne, je pense. J'ai pris la nouvelle base de chez Catrice, alors je pensais pas qu'elle était si glaze. C'est la Skin Glaze Hydrating Serum Primer, c'est un tout petit flacon. Je sais pas si vous allez voir à l'intérieur, mais elle est un peu holographique rose, comme ça. Donc on va tester ça. J'ai pris, rien à voir avec le make-up, mais c'est un vernis noir de chez Essence exprès pour le stamping. Comme ça, je vais pouvoir refaire du stamping parce que ça fait hyper longtemps. Et alors, the produit qu'il me fallait absolument, j'ai dû attendre que le préfixateur revienne en vente puisqu'il était out of stock. Mais alors, celui-là, j'ai pris le nouveau mascara de chez Essence. Donc, c'est dans la collection permanente. Regardez le nom. S'il veut bien me faire le focus. Aïe, 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 aïe. Call me queen. Obligé de l'acheter. Voilà. Et j'en ai pris un deuxième pour avoir vraiment les frais de port gratuits parce qu'il me manquait quelques petits euros pour avoir les frais de port gratuits. Alors, je vais dégager tout fait. Il faut que je chauffe ma pincette. Oui. Voilà. J'essaye de m'installer sur mon petit tabouret. Je me rapproche un petit peu, pas trop. Bon, comme ça, quoi. Et on va commencer donc par la base. Voilà, c'est la base. On passe au Skin Glaze de chez Essence. Alors, ils disent que c'est un peu perlé rose, comme ça, pour faire un côté glow, comme le fond de teint. Je vais ressembler à un lampion, moi, à la fin. Petit flacon pipette. Ça sent rien. Ça grimpe sur la peau. C'est super hydratant. Non, on peut pas dire le contraire. On a l'impression de se mettre de l'eau bien fraîche. Il y a grimpe sur la peau. Ça, c'est sûr. Après, c'est très très fluide. Hein. C'est vraiment comme un sérum. D'ailleurs, je pense que vous pouvez tout simplement l'utiliser également en sérum. Hein. Je vois pas l'intérêt puisque il a quand même un avantage de faire tenir le make-up. Donc, oh, ça va.
Je pensais faire foire aux lampions, mais ça va. C'est pas trop. C'est glauque, hein, on voit que c'est glauque. Bon, et vous savez quoi, même tout seul, si vous voulez une peau lumineuse, sans make-up, c'est pas mal. Ça pénètre vite dans la peau, c'est déjà. C'est pas collant. Oh, ça j'aime bien. Ouais, j'aime bien le rendu. J'ai la peau douce, hydratée. Bah écoutez, pour l'instant, je valide. Hein. En espérant que ça va pas se tenir le fond de teint. Fond de teint que l'on va tester de suite. Le Skin Silk. Le Skin Silk. Pas évident à dire hein, quand on parle anglais comme une chèvre espagnole. Donc, c'est du sérum fond de teint. 25 ml ou 23. Je sais pas bien lire, attendez. Parce que si c'est 23, ça devient d'arnaque, hein, Révolution. 23, ça devient d'arnaque. Avant, les fonds de teint, c'était 27. Ils augmentent leur prix, mais ils diminuent leur quantité. Hein. Et les chiens foutent le bordel. Donc, je vais juste mettre sur le côté pour l'instant. J'ai peut-être pris la grosse éponge. Alors, je vais mettre deux ponts, ma foi. Alors, c'est assez liquide. Forcément, vu que c'est un sérum. J'ai mon miroir, il est mal mis, c'est chiant. Alors, la teinte, j'ai pris F7 parce que c'est la teinte qui me convient chez Révolution. Hein. Puisque chez Révolution, une fois que vous avez trouvé votre teinte, dans tous les fonds de teint, c'est la même teinte. Alors, ça sent bon, mais je pense que c'est mon éponge qui sent la lessive encore. Alors, la sensation, elle est agréable. Je crois que vous pouvez voir que ça unifie bien le teint. Ça fait vraiment un effet seconde peau. Ça, c'est hyper naturel. Bon, forcément, si vous cherchez beaucoup de courant, si vous avez beaucoup d'imperfections, c'est pas fait pour vous, hein. Mais moi, ça me suffit. Bon, peut-être une couche supplémentaire quand même. On va faire la première couche de l'autre côté. Par contre, question quantité, prix, Révolution, ça devient n'importe quoi. Franchement, ils abusent. Déjà qu'avant, ils avaient des plus petites quantités que les autres, puisque c'était 27 ml pour les fonds de teint. Et ils passent à 23. Ça devient de l'arnaque, quoi. J'aurais pu tester l'autre côté au pinceau aussi, mais flemme de me lever pour en prendre un. Bah écoutez, j'aime bien le rendu, hein. Ouais, il est glou. En plus, avec la base en dessous, forcément, ça glou-glou. Je pense que je vais pas le poudrer d'ailleurs pour garder ce côté glow. Sinon, ça sert à rien. Si je le poudre avec une poudre matifiante, ça sert à rien d'acheter des fonds de teint glow. Ouais, ben écoutez, dites-moi. Franchement, ça unifie super bien le teint. La teinte est bonne, hein, forcément. C'est hyper agréable sur la peau, ça se travaille super bien. On va voir si ça se module. Puisqu'ils disent qu'il est modulable. Donc, je vais juste remettre une pompe que je vais éparpiller sur les zones stratégiques. Bah ouais, il se module hein, sans problème. Alors, je sais pas si comment s'il va sécher complètement et s'il va bouger au fil de la journée, hein, ça je ne peux pas vous dire maintenant. Je vous dirai ça dans les produits terminés ou les favoris. Hein. Mais écoutez, j'aime bien bien. Après, question prix, c'est quand même assez. Parce que Catrice avait sorti un sérum teinté. J'avais testé. Je ne sais plus si j'avais aimé ou pas. Faudrait que je le reteste, tiens, pour voir. Et celui-ci, j'aime beaucoup l'effet sur la peau. Ah, bah écoutez,
Deuxième produit, je vais voir l'aide. Alors, j'ai pas de nouveauté anti-cerne et poudre, donc je vais prendre mon anti-cerne Révolution. La poudre d'Edona pour poudrer mon dessous de l'œil. Alors, je vais pas mettre trop d'anti-cerne. Faire quelques zones de lumière, mais vraiment très peu. Parce que j'aimerais bien garder le fini du fond de teint pour le final. Puis j'aimerais bien que ça s'intègre bien. Franchement, j'aime bien. Jusqu'à maintenant, j'aime bien. Alors, c'est pas un teint mat, forcément, ça change un peu. Mais ça fait vraiment une bonne santé, je trouve. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien. Je crois que vous avez compris que j'aime bien. Oh, ils foutent le bordel. Ils étaient tout calmes jusqu'à maintenant. Je monte filmer, c'est le bordel. C'est quand même incroyable. Incroyable. Alors, j'ai bien réintégré mon anti-cerne partout. Pas que ça fasse une trop grosse démarcation, c'est pas beau les démarcations. Bah écoutez, j'aime bien bien. Par contre, il n'a pas l'air de sécher entièrement. Donc, c'est pas du sans transfert, hein, je pense pas. On va attendre encore un peu, mais avec le fixateur peut-être. Mais ça risque de faire des taches avec mon bronzer et mon blush. On va voir. Alors, je vais prendre ma poudre d'Edona. Du coup, je vais la prendre au pinceau. J'ai pris un pinceau highlighter, donc je vais prendre celui-là pour poudrer mon anti-cerne. Pour pas trop matifier, mais juste faire tenir un peu. Bon, je suis obligée, hein, sinon, avec mes rides de grand-mère, ça file partout. Eh bien, écoutez, j'aime beaucoup le rendu. Hein. Alors, je vais blender sur mes paupières et je vais également poudrer. Donc voilà, je vais pas mettre de poudre ou de fond de teint poudre, mais le fait que ça transfère, c'est un peu chiant. Bien qu'après, j'aurais pu mettre juste un fin voile de poudre. Écoutez, on va essayer déjà d'un côté. Donc, je prends un pinceau poudre et la même poudre. Vraiment très fin. Ouais, ça matifie, mais bon, ça reste quand même encore un peu collant. Bon, du coup, je vais faire toute ma tronche, hein, parce que sinon, ça va pas être beau, mais j'en prends vraiment pas beaucoup. Hein. En même temps, les poudres compactes, c'est pas ce qui poudre le plus. Voilà, c'est juste pour espérer ne pas faire de tâches avec mon bronzer et mon blush. Sinon, j'ai l'air con. Alors, en bronzer, j'ai sorti le matte bronzer de chez Elegant, le Big Machin, que j'aime trop. Allez, on est parti. Oh là là, mais qu'est-ce qui m'énerve, ces chiens, c'est un truc de fou. Elle a trouvé un truc à bouffer en haut, je sais pas quoi. Un bout de papier, d'après le bruit. De papier plastique, je dirais même, d'après le bruit. Il comprend pas. Enfin, je ne sais pas. Hop, petit ovale du visage. Bah écoutez, question tâche, ça a l'air d'aller. Ça n'a pas l'air de faire des tâches. Je prends le Luminoso de chez Milani. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas mis. Donc je me suis dit, allez hop, mettons celui-là. Oh, j'ai peut-être un petit peu abusé. Comme ça, on reste dans le lumineux. Écoutez, j'ai envie d'un teint lumineux aujourd'hui. Ça arrive. Ça arrive. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va blinder hein, parce que j'ai un petit peu abusé. Oh,
Je sais pas si vous... Si, je suppose que vous l'entendez. Et le pire, c'est que je vais arrêter de filmer. Ils vont descendre dormir. Parce que c'est des chiens. Voilà, tout simplement. C'est des casse-couilles. Mes chiens sont casse-couilles. Alors, on va passer au test des sourcillons. Un petit goupillon pour enlever les matières à l'intérieur et les brosser dans le bon sens. J'ai un goupillon qui tourne là, c'est extrêmement chiant. Donc, la teinte, j'ai pris Ash Brown et il me paraît très chaud pour du H, qui est censé être plus grisonnant. C'est pour ça que j'aime le H. Écoutez, on va voir. Hein. Donc oui, je le dessine pas au crayon parce que bah, je fais ma flemmarde. Et puis comme ça, on voit vraiment le rendu du produit. En ce moment, je suis en mode flemmarde pour tout. Hein. Oh bah ça va, c'est pas mal. Il comble bien les petits trous. Il a l'air de bien les mettre en place. Maintenant, à voir si ça tient, ça c'est une autre histoire, mais il les met en place en tout cas. Et la teinte, ça va. Ouais, ça va. À voir s'il sèche dur. C'est pas très clair ce que je dis. Mais vous voyez, il y en a qui sèchent et c'est hyper sec sur les sourcils. Et c'est pas agréable, quoi. J'aime quand ça fait quand même un peu. Enfin, que ça fasse pas râpe à fromage quand on passe les doigts dedans, quoi. Bon, après, on n'est pas censé passer ses doigts dedans, mais. Moi, j'ai souvent tendance à les recoiffer de temps en temps avec mes doigts, pour être sûr. Bien sûr, ici, j'ai mon petit trou, mes petits épis, bien chiant. Eh bien, écoutez, j'aime bien. Il n'est pas trop chaud finalement, ça va. Il est quand même plus chaud que le Anastasia. Hein. Pour ceux qui prennent le Anastasia en Ash Brown, il est plus chaud que celui-là. Alors, en highlighter, je vais juste prendre mon petit W7 que je vais mettre juste classique, quoi. Puisque sur mes pommettes, sur mes yeux, je vais rien mettre. Je vais juste faire un trait de liner multichrome. Voilà. Je vais quand même un tout petit peu estomper la démarcatone. Alors, pour le teint, écoutez, j'aime beaucoup. Pour l'instant, c'est un sans faute. Satisfaite de mes oeufs. J'ai un poil. Alors, on va fixer. Parce que oui, moi, je fixe toujours une fois que j'ai fini mon teint. Je fixe plein mes yeux parce que j'ai toujours peur que ça coule. Alors, c'est un peu... Alors, je l'ai déjà amorcé puisque ça m'a senti. On va regarder le. Oh, ça a l'air assez discret. Oh, j'adore cette odeur. Ouf, oh, ben, il est plus violent là. Alors, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup parce qu'il est quand même assez puissant. Ah, oh, mais qu'est-ce qu'il sent bon. Après, ça va, il est puissant, il mouille. Il mouille, mais il n'est pas agressif. Il vous crève pas un œil, quoi. Ah, cette odeur. Qu'est-ce que j'aime, cette odeur. Bah, écoutez, on est sur du sans faute. Hein. Sans faute, sans faute, sans faute. Donc. Alors, je vais juste faire un trait de liner. Je vais prendre le Anastasia Beverly Hills. C'est le Scarab, je crois, un truc comme ça. Voilà, je vais juste tout simplement prélever avec un pinceau liner. Je sais pas s'il n'est pas trop sec le bazar, ça fait un petit moment que je l'ai. Non, ça va. Et je vais faire un trait de liner. Alors, oui, vous m'excusez, je reviens. Voilà. Ah, bah, je crois que vous me voyez quand même en fait. Mais c'est parce que je voulais pas mettre de liner noir pour pas cacher le mascara après qu'on voit vraiment le rendu. Oh, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. C'est tellement beau. C'est discret, mais beau. On va pouvoir passer au test du mascara. Alors, je vais même pas mettre de crayon, comme ça on voit ce qu'il donne sur les cils du bas. Je vous montre la brousse. Alors, c'est une en forme de mi-cacahuète, mi-sapin. C'est en poils polymère.
Donc voilà, j'ai commencé à prendre goût au picot. Alors, quand j'ai vu le nom, je me suis dit, ce mascara est trop fait pour moi. Et je crois que c'est vrai. Alors, on va remettre sur ici du bas. Donc là, on est en une couche. Hein. Et j'aime déjà beaucoup le rendu. Oh. Donc, on va faire la première couche sur l'autre nanaï. Il attrape super bien les cils et il dépose pas mal de matière. Il est bien noir. Il n'a pas l'air de faire trop de paquets. La brosse a l'air vraiment pas mal. Écoutez, et j'ai pas recourbé mes cils. Hein. Deuxième couche, la couche ultime pour la décision finale. Alors là, les gens, nous tenons le nouveau mascara préféré de mamie. Oh, j'adore. Oh, il est superbe. J'adore le rendu. Il est superbe. Les cils sont bien noirs, bien chargés, bien séparés. Ils se recourbent aussi, j'ai l'impression. Et ça les allonge aussi un peu. Bon, là, j'ai un peu abusé. En repassant la brosse dessus, ça les a un peu collés ensemble. Mais bon, ouais, ça me dérange pas. Hein. Mais, waouh. Et c'est rare avec un mascara essence que je fasse waouh du premier coup. En principe, j'attends toujours un peu qu'il sèche. Ça m'était pas arrivé depuis le Honey de Miracle. Oh là 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 là, j'adore. Écoutez, je valide. Oh. Eh bien écoutez, il me reste plus que le plumper. J'ai un peu peur de me faire mal. Enfin, que ça pique de trop. Je vais juste nettoyer un peu. J'ai les ongles dégueulasses, moi. Et on va passer à ça, donc c'est un ongle gloss, hein, tout ce qui est plus classique. Je sens rien. Vous voyez, il fait un petit côté rosé. Il donne très bien hein, sur les lèvres, c'est très joli, même tout seul. Ça pique. Dans 10 minutes, j'ai la bouche comme ça. Ou pas. Donc voilà, je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve après. Donc je disais, avant que mon appareil fasse un truc chelou, je viens vous remontrer ce que ça donne. On débriefe juste après, bien que je pense que vous ayez déjà compris. Et donc voilà le look final avec mes petites nouveautés. Alors, le plumper, ça va, il picote, hein, bien évidemment, c'est le principe même d'un plumper. J'adore la couleur qu'il donne. Il est super agréable sur les lèvres. Il plumper hein, parce que je vois que ma... Alors, moi, je l'utilise pas pour gonfler mes lèvres, mais plus pour... comment expliquer? Redessiner le contour de mes lèvres, vous voyez? Pour éviter les petites ridules et tout ça. Et ça... Ça marche. Ah non, ah non, ah non, 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 par là. Je me fais agresser par des chiens. Alors, donc le plumper, j'ai dit, j'adore. Le mascara, oh, big coup de cœur. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pourtant, c'est rare que j'aime un mascara du premier coup, surtout chez Essence ou Catrice.
Là, je kiffe. Il est trop beau. Voilà. Le fixateur. J'aime bien. Voilà. C'est pas vraiment un coup de cœur parce que j'aurais aimé que le spray soit plus brumisé. Voilà. On va dire plus un brumisateur qu'un spray. Mais j'aime beaucoup l'odeur. Après, ça fait cher. Pour 60 ml, ça fait cher. Pareil pour celui-ci. J'adore, j'adore. Gros coup de cœur sur le fond de teint. Enfin, le Skin Silk. Donc le sérum teinté. J'aime énormément le rendu. Là, il colle plus. Donc. Bon, après, c'est, à mon avis, c'est pas du sans transfert, zéro transfert. Hein. Ça serait étonnant. Ouais, non. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu. Par contre, 20, 23 ml, c'est pas possible, Révolution. Faut arrêter 5 minutes. Ouais. Les prix augmentent, les quantités descendent, quoi. Et encore quand c'est pas la qualité. Hein, parce que vous savez à quel point j'ai aimé Révolution à ses débuts, qui se sont améliorés sur la suite et qu'après, ça a été. Alors, les prix. Ça monte, ça monte, ça monte. Quantité et qualité, ça descend. Non, c'est juste pas possible. À 23 ml. Voilà, c'est 30 ml logiquement un produit teint, quoi. Un fond de teint, du moins. Et bah ça, écoutez, j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, elle fait rien de particulier à part hydrater. Mais, question hydratation, elle hydrate. Hein. Bon, elle hydrate et elle illumine. On est d'accord, c'est son, ses deux principes, ses deux principaux. Et j'ai beaucoup aimé le rendu. Elle est super agréable sur la peau. Et je pense que même seule, si vous voulez pas vous maquiller, mais juste avoir l'air d'avoir une peau en bonne santé, bien lumineuse, elle va faire son job. Ça, il n'y a pas de doute. Voilà, j'aime beaucoup. Beaucoup. Bah, écoutez, j'ai que des coups de cœur. Franchement, zéro déception. À part pour la quantité de ça et de ça. Mais voilà. Sinon, les produits en soi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup mon teint. Parce que bon, les yeux, à part le mascara, j'ai rien fait de spécial. Mais mon teint, j'aime énormément. Donc dites-moi vous en commentaire si c'est le genre de produit que vous aimez tester ou pas. Ou si du coup vous avez envie de les tester ou pas. Ah oui, produit à sourcils, je ne vous ai pas dit. Mais j'ai voulu. Ah, là. J'aime bien. Voilà. Il détrônera pas, je pense, mon Anastasia. Oh bah, pas du tout, parce que il colle. C'est affreux. Donc, j'aime pas. Il colle. Mais vraiment. Je sais pas si vous voyez, mais. Non, je suis pas fan. J'aime pas quand. Moi, j'aime que mes sourcils soient coiffés. Et coloré, mais que ça reste naturel. Bon, après, ça reste naturel. Là, on est d'accord, le rendu est joli. Sauf que ben ça colle. J'aime pas quand ça colle. Maintenant, il va peut-être sécher encore un peu par après, mais je pense pas. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur. C'est une semi-déception. J'aime beaucoup le rendu, j'aime juste pas l'effet collant à la fin. Mais le rendu est très joli, hein, donc je pense que j'utiliserai quand même. Ou au pire, je le donnerai à Manon. C'est Manon qui récupère tout ce que j'aime pas mon produit, et puis après elle se démerde avec. Voilà, Bichette, je t'aime. Et voilà, donc c'est la déception de cette vidéo. Sinon, le reste, j'aime beaucoup. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous, il y a des produits que vous voulez tester, du coup, ou pas. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, bah moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.